Poc, poc. Voilà, normalement. Hideous. Ah! Il faut que je lance le jeu pour me dire que j'ai pas téléchargé les vidéos en français avec la voix de Françoise Cadol. Merdoum, j'y ai pas pensé cette semaine. Merde. Voyez, faut que j'en lance le jeu pour que j'y pense. Bonjour à toutes et toutes, j'en oublie les situations d'usage. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis fou de joie d'être en week-end. 48 heures de glandouille, de rigolade et de... Wouh, on oublie la... J'ai envie de dire la réalité sinistre. Je pense surtout à l'actualité. Oh, dur. Dur. Je vais peut-être demain après-midi, dimanche après-midi, quand on sera peinard sous Minecraft à papoter, ambiance bar là, je vais peut-être vous avouer des articles que j'ai lus, ça fait mal au trip. Enfin bon, relax, là on se relaxe, on se détend. On va surtout allumer le cerveau me concernant et essayer de résoudre les énigmes égyptiennes. J'étais là. Oh mon dieu! Alors attends, tout ne va pas bien dans mon interface de contrôle. Parce que je vois que mon signal est correct. Par contre, je vois plus le chat. Donc si vous me parlez et que je vous lis pas, c'est très vilain. C'est très vilain. Voilà. Oula. Me souvenais plus que c'était le boxon. Waouh, oui, non, mais ils sont 650 milliards là. Oui, alors j'avais une planche, une manivelle de je sais pas quoi. Mais ils me poursuivent partout. Oh là 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 là, lui je l'avais oublié, je l'ai invité à la fête, dis donc. Ça, c'est pas une porte, ça. C'est trop bizarre. Oh, ce passage à tabac. Ça les a stoppés net, les escaliers, j'ai l'impression. C'est bizarre. Alors, j'ai rien pour les... Burp. Oh, presque! Elle y était presque parvenue, la miss. Oh, puis il y a cette horreur qui te rentre dedans, là, de... Oh, mais il y a des munitions que j'ai pas ramassées. Non, ne me tuez pas, laissez-moi ramasser mes munes. Non. J'ai pas le droit de ramasser les... Ah, c'est cruel. Oh, le bouclier, il est magnifique de l'ennemi. Il est superbe. Alors, moi je dis manivelle. Non, 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 c'est scandaleux, Rambourcey. C'est un attentat. C'est un attentat sur pilleuse de tombe. Mais va... Oh, j'ai même pas le temps d'interagir, il me tabasse. Mais comment je peux faire pour m'en débarrasser, moi? Je ne peux rien faire. Je
Je ne pige pas, je comprends pas la logique de ce passage-là. Merdoum. Je dors, ils sortent des murs, ça fait grave flipper. Bonjour, tu es une scène. Je sens que je vais avoir mal de chien à déjà m'extirper de tous ces ennemis avant même de résoudre l'énigme. Ils sont trop nombreux, c'est le bordel, c'est devenu injouable. Mais je me demande si... Quoique non, j'ai peut-être pas loupé d'armes, mais... Parce que là, c'est carrément un lance-roquette qu'il faut pour se débarrasser des ennemis. Oula, l'autre, il a voulu me planter. Là, je peux y repasser ou pas? Ouais. Enfin, ça n'a aucun intérêt, mais je peux y repasser. Oh là là, ça y est, je me suis fait acculer dans un angle, elle est morte. Les coups de serpe qu'elle va se prendre, elle va se faire finement hacher menu. Ah bah, là par contre j'ai plus le droit. Ah. Non, bah ça servira à rien. En fait, là je t'avouerais que ce serait contre-productif que tu joues tes points de patoune. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'ennemis et il y a une énigme que j'arrive pas à résoudre. Alors que j'ai les patounes ou pas, je vais forcément toujours tourner en rond. Donc, je serai en pleine, tu sais, en pleine ascension de progression. Là, les patounes, ce serait vraiment marrant. Alors que là, je t'avouerai que je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, si j'ai les deux patounes qui sont là. J'ai eu un doute à un moment, je me dis merde, j'ai oublié de les ressortir. Mais ils sortent de partout! Oh là là! Est-ce que j'ai pas loupé un truc qui me permettrait de m'en débarrasser? Ils sont infernaux, les Mickey. Ils vont pas dans l'eau, je crois. Ah non, mais le cauchemar! Il aimerait bien me patater, mais il aime pas l'eau, le machin. Donc là, au moins, j'ai la paix. Là, je sais plus où ça mène. Non, c'est une autre partie de la pièce, tout simplement. Ah non, c'est une autre pièce à part. Ouais, non, j'avais déjà fait. Normalement, il passe à travers les murs. C'est des horreurs, ces machins-là. Ah oui, c'est le retour qui est chiant, ici. Elle arrive à faire une piquée et à me patater, la cochonnerie. Ah, merdoum. Oh la vache. Merdoum, j'ai pas d'idée, je vois pas comment je peux m'en débarrasser. Non. Flingue conventionnelle, ça marche pas. Alors ça, c'est une clenche ornée, mais pourquoi?
Comment qu'elle se fait exploser, la pauvre Lara. Pam 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 pam. Ah, puis il y a un truc en bas que j'ai pas. Je viens de voir le panier d'oseille là. C'est des trucs à péter, les machins là. Ah oui, il y a des cadeaux dedans. Il y a des cadeaux dedans. Bon, modeste. Toujours ça de prix, mais bon, modeste. Bon, je l'ai soignée, la malheureuse. Parce qu'elle a pris cher. Et tout se passe là-dedans, mais comment faire? Ou alors, il y a une combinaison d'objets à faire que j'ai pas faite, peut-être. J'ai peut-être la soluce dans l'inventaire, mais en pièces. C'est vrai que j'ai pas songé à cette hypothèse. Ah merde, elle est morte. Il s'acharne sur son double qui est lié à sa vie et voilà, c'est une malédiction égyptienne. Qui me les brise, je vous le cache pas. Qui me les brise, mais c'est comme ça. Oh. Merde, oh, le plafond bleu, il est beau. Ah, ça me bouffe de pas ramasser les munitions. Hop là. Hop. Ah, je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Ils sont acharnés sur sa statue à la Villiers. Je sais jouer du flingue, hein, mais normalement ça marche pas sur ces créatures cauchemardesques. Ils sont visiblement immortels. Là, j'ai l'impression qu'il y a Eidos et Core Design qui en avaient marre de développer un Tomb Raider à plus compter leurs heures par an. Et ils ont voulu faire un doigt d'honneur aux joueurs en disant allez vous faire voir, on en a marre. Vous voulez bouffer de la Lara Croft, vous allez en bouffer jusqu'à en dégueuler de dégoût. Et des manches, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et, ah bah, elle est morte. Dans les options, on est d'accord. J'ai pas un... Ah, manuel. Je vais peut-être jouer automatique, parce que là, c'est vraiment balèze. Attends. Merde, les options, du coup, je les ai plus, là, mais... Parce que d'avoir mis manuel, la vache, dure.
visiblement, il meurt pas de balles classiques. Bon, éventuellement, les machins volants, là... si ça pouvait mourir. Si seulement... Ah oui, alors attends, là il y a l'objet. Hop là. Quoi ? Elle tire sur sa statue. Déconne pas. Ah ouais ! Elle tire sur sa statue ? Tiens bon. Il y a tellement d'ennemis qu'elle sait plus quoi viser. Ah merde. Puis vous avez vu, hein, ça sort des murs, c'est une horreur. On dirait un jeu buggé, mais visiblement ça fait partie des règles. Ah oui, c'est vrai que j'ai plaisir à ramasser à chaque fois le... Les cartouches de... Ah bah. Nickel. Un saut magnifique. Ça meurt ces machins ou pas? Oh, j'aimerais tellement que ça meure. Il faut que je bouge parce que... Ça devient ridicule. Alors, les cochonneries volantes, si je pouvais en avoir une, ça me réconforterait, là. Non! Je suis en train de perdre toutes mes balles de qualité, mais bon, tant pis. Attends, j'entends des bruits. Ah ! Il me disait aussi. Alors, je vais la voir. Non, j'ai plus d'usine. Oh. Je comprends pas. Je vais essayer de rattraper le sommet, mais un poil désabusé. Encore que, attends, en étant là... Ah, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Ça m'a coûté toute une balle d'usine, mais il s'est passé un truc. D'accord, j'ai entendu quelque chose bouger. Uh-huh.
J'ai entendu une cochonnerie. Elle est où? C'est dingue qu'elle vise sa statue. Ah! Ah! Je me sens déjà mieux. J'ai l'impression que ça a ouvert un truc, mais quoi? Ça a pas ouvert en face quand même. Non, je crois pas. On verra en descendant, mais je crois pas. C'en est trop demandé quand même à Lara Croft, faut pas déconner. Et là, ça me rend fou, il se passe rien. Je serais tenté de faire usage de la poignée ornée, mais c'est pas ça, visiblement. Dans le... No. Voilà. J'ai explicite, elle a dit no. Ouais, elle veut tricher. Elle veut passer au travers. Je crois qu'il y a des moyens de faire forcer les glitchs, les bugs de collision. Aïe, aïe, aïe. Là, on est d'accord, c'est le sommet, hein. C'est le plafond, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien que je puisse. Combiner dans mon inventaire. C'est un peu haut quand même. Vache. C'est la violence. Ah non, c'est fermé en face. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est quand même bizarre cette histoire. Dans l'ordre de leur sortie, Twin Sen. Dans l'ordre de leur édition, on va dire. Attends, je viens de là. En face. Attends, j'ai entendu un truc bouger quand j'ai tué le... la cochonnerie. Bizarre. Non, faut que je me barre.
Ça part vers un truc en sous-sol, là, non? On est d'accord, il n'y a rien qui s'est ouvert en bas. Rien qui s'est ouvert en bas. Où est la logique? Où est la logique? Je l'ai pas là. Je comprends pas. Où est la logique? D'ailleurs, dans ta question, quel épisode je ferai après celui-ci, n'oublie pas que j'ai de temps en temps, je me ferai les cartes créées par la communauté mondiale. Là, je t'avais dit que je m'étais fait un petit CD-ROM, un petit DVD même, je crois, d'une centaine d'aventures créées par les fans du monde entier. Elle est quasiment morte, la malheureuse. J'arrive dans la pièce là, il y a le coup du gourdin. Pourquoi j'ai un double? Le double va me servir, mais à quoi? Quoi va me servir le double? Il y a forcément... Eux, ils me rejoignent, ils sont d'un chiant. C'est moche. Tellement énigmatique. Tellement énigmatique. C'est ridicule. Y a rien qui m'aurait échappé là-dedans. Ouais. Tellement bizarre. Ça se demande si ça c'est pas une plateforme qui descend en fait. Qu'est-ce qui m'a échappé en haut? Mmh.
Merde. Attention, ma circulation sanguine. Moi, je suis en train de m'écraser le pied. Ah. Non. Vas-y, va. Ah, je pensais que... Mais non, je suis déception, ça ne marche pas. Merci, Lara. Ah, dis donc. Là, il y a vraiment rien là-bas. C'est vraiment le... Distance de vue. Non, je m'aperçois de rien. Non. Bon, il n'y a rien dans ce panier en oseille. On est bien d'accord que j'ai vidé tous les trucs. Là, j'avais pris les... Ah! Ah! Si j'oublie de prendre des... j'ai chaud. Des objets, ça va pas le faire. Non, là, elle l'a fait. Bah merde alors. Donc du coup, c'est peut-être la tête qu'il faut que je mette, non? Ah, combiné avec la tête... voilà, la porte du gardien. Merci! Ouf. C'est original. On continue l'aventure. Oula, 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 oula. Pardon, j'ai un problème avec... Voilà. Ma couverture qui fait n'importe quoi. Oh non! Les casse-bonbons d'outre-tombe. Ça va, tranquille. Oh. Oh. Ok, on est dans la merde, dans la merde intégrale. La 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 la, je vais revenir. Ah non! Quoi? Oh la vache! Alors là, je regrettais de plus avoir d'usine. Ouh là là! J'accroche un fusil à pépon. Enfin, j'espère qu'ils meurent comme ça, eux. Ils sont beaux! Ils sont beaux! Magnifique. Non, il meurt pas. Ah si. Son coriace. Vache. Son coriace. Puis on la tombe. C'est quoi ça? Ah, c'est le torse de... Je sais plus quel dieu égyptien. Il me l'avait dit Aeroster la semaine dernière. J'ai pas retenu. Celui qui s'est fait dépecer en 13 parties. On n'a jamais retrouvé ses coucougnettes.
Le phallus était pelle douche. Ah, il y a des trucs qui sont en bas. Au niveau du sol. Alors, quoi traîner, ding. J'ai les 4 membres. Il me manque quand même des morceaux. J'ai pas la tête. Oula, je veux dire, il fait sombre. Non, c'était la sortie. Oula, son ami français s'est fait casser la gueule. Congratulations, you survived to fight another day. I trust that you now have all the armor. Jean-Yves shall be escorting us to Cairo, not entirely of his own free will, I admit. A simple trade, his life for the armor of Horus. Do not take too long thinking it over. Yours apologetically, Werner. Les fameuses plaies d'Égypte. Oh bah merci pour l'accueil. Putain la vache. Oh la vache, les soldats qui me cueillent, les Égyptiens, terribles. Ah, c'est pas désagréable d'avoir quitté les bas-fonds égyptiens, on va dire, qui étaient très beaux, hein, mais... Oh, j'ai fait plaisir. Alors, sauvegardons. Là, c'est amplement justifié. On va faire de la moto. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Oh la vache! Non. Ah ouais, ça déconne zéro, quoi. Ça peut exploser ou pas? Ah, c'est trop solide, c'est en métal, le machin. Elle va se faire buter. Voilà. Non, je ne peux rien masser sur lui. J'ai envie de dire, par chance, l'appareil est buggé. Wouah. Et puis, le ciel est trop bizarre. Jamais ça explose, le machin. C'est scandaleux. Bon, allez, on va faire vroom vroom macao. Mais qui c'est qui me tire dessus encore? Attends. Oh la vache!
Là, ils ont des snipers, les gars. Oh l'enfoiré, comment il a voulu m'allumer. Non, mais je peux pas lutter. Laisse tomber, quoi. Ils sont trop nombreux. Ah, pardon. Merde, je suis en train de m'enrhumer. Allez, vite. Comment que ça marche? J'ai trouvé l'accélérateur. Ballons-nous vite d'ici. Ben, si j'y arrive. Oh, il y a un tremplin. Wow, c'est comme ça les villages égyptiens. Oh oh. J'ai un problème. Comment on fait marche arrière? Merci Lara. Allez ma grande. Mais dans ce brouillard égyptien. Oh, oh. Alors, comment dire? Elle est morte comme un caca. C'était sa destinée. La cité de la mort. Oui, je confirme. C'est la moelleté la plus absolue. Petit coup de démarreur et c'est parti mon kiki. Ouch. Ouch. Yes, c'est plus piloté. Faut passer par là, je crois. Non. Ah non, non, je vais me faire buter bêtement. Ouch. Ah, 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 ah. On dirait qu'il y avait un truc là. Oui, si je pouvais l'écraser, oui, ça m'arrangerait. Lui aussi d'ailleurs. Attendez, 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 faut pas faire que de la moto, là. Là, j'ai un truc à escalader. Sors, Lara, sors. Voilà. Attends, ma grande. Il y a forcément des trucs à faire à pied. C'est bien, ça change de gameplay. Alors, Lara. Attention. Accroche-toi de tes 10 doigts. Allez, ma grande. Burp. Tu peux le faire. Ah! Oh! Y'a quoi au-dessus? Oh! Y'a quelque chose au-dessus. Il y a quelque chose au-dessus. Ah non, faut qu'elle soit comme ça. C'est lourd ce truc. Pardon. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je vois que vous êtes zéro. C'est triste, mais bon. Enfin, moi, je m'éclate. Mais... La li la lou, la la li li la li li la li li la lou. Mais c'est une grille fermée, comment veux-tu que je la passe? Mais what the fuck? C'est un scandale! C'est un scandale! La 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 li lou li li lou la. Ah oui, Lara, s'il te plaît. Pic-pou, pic-pou. Je sais que tu vas t'esquinter les genoux, mais c'est pour la bonne cause. Ah. Vendredi. Ah, mais les ennemis écrasés m'ont donné du matos. Ça change la donne. Ça change la donne. Je veux bien récupérer mes balles d'Uzi parce que je me suis excité sur les trucs mûches bestioles là d'égyptiens. Wow! Oh la vache!
Je sais pas où était le truc, mais il m'a allumé. Oh, c'est beau, hein? Il y a des décors subtilement, moi j'adore. Oh, d'accord. Ok. Tu le vois comme ça, toi? Ah, c'est pour péter les... La, yop. Ouah, j'ai découvert l'artillerie lourde. Mais attends. Mais il est où le dispositif qui m'a tué? Je l'ai même pas vu. Dans l'autre, il m'a trucidé, j'ai pas capté. Bon. Petit fusil zappé bon, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Ah, ça doit être le retour en fait. J'ai dû faire le merdier dans le mauvais sens. Un moment doit y avoir moyen. Attends, c'est trop bizarre. Il y a des trucs, c'est vraiment trop bizarre. C'est la mort, ça? Pourquoi il y a des barrières? Je comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. J'ai des soupçons d'escalade à faire, de saut. Ça, c'est un faux mur, ça. Ou alors c'est un mauvais raccord, ou alors c'est une porte. C'est un truc qui se... C'est trop bizarre. Non, vous êtes sérieux les gens? Ah! On voyait qu'il n'y avait pas de texture au-dessus. Ouais, il y a des petits bugs à droite et à gauche, mais bon, ils ont dû en baver pour... appliquer autant de textures en peu de temps. C'est du beau boulot. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh. Ah, elles sont dessus, les cochonneries. Ça y est, je viens de les voir. Elles sont au mur. Oui, mais attends, si je veux aller là, je vais me faire fusiller. Oh la vache! Oh, j'étais encore à portée! Oh là là! Ça porte bien son nom, effectivement, c'est la cité de la mort. Putain, la vache! La violence, toi! Alors attends, je vais essayer, mais. Il était où le. La malheureuse, comment qu'elle se fait saucer. Ah, que j'essaye de zigouiller les dispositifs là. Non. Non, non, non. Oh oui, lance-grenade. Ça va en calmer plus d'un. Allez, petit sprout pharmacie, elle est où? Elle est à l'autre bout. Je sauvegarde parce que je vais essayer de zigouiller les trucs sur le toit. Allez, go. Ah oui, 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 non, mais je les aurais jamais. Je pensais que la grenade était propulsée de manière un peu plus sèche. Un peu plus puissante. Là, le truc mollasson, je vais pas aller loin avec. Je suis donc dans la mouise. Oh la vache. Oh, puis j'ai un... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le pilote, il me trucide joyeusement. Oh là là, ils sont nombreux les salopards. Ah oui, c'est ça que j'ai pas réussi à passer, ouais.
Mais il y a un secret, c'est pas possible. Dommage. Dommage. C'est pas possible. Là, je loupe tout un pan de la cité. Là, si je me barre déjà avec la moto. Jobs to next train. Moitié de la vie perdue rien que pour ce passage. Ça fait peur. Je suis sûr que je loupe un truc. C'est le genre de niveau quand je verrai la solution par Morlock et Vieux Jeu. Que je vous recommande chaudement, Morlock et Vieux Jeu. Il est extraordinaire ce garçon. Il fait les niveaux de tous les Tomb Raider à 100%. En plus de raconter plein de trucs. Je n'ai pas par ici. Ouïe. Aïe, ouïe. Ah, Medal of Honor 1, c'est bien, cousin. C'est cool. C'est bien, tu vas pouvoir te faire plaisir. Ah, elle est morte sur sa moto. Je me disais, merde, mais pourquoi il me dit ça, lui? Elle est morte sur sa moto. C'est pas beau. Allez, sprint ma grande parce que tu vas le faire. J'ai dit sprinter. J'ai pas dit autre chose. Allez, cours, allez. Aïe, 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 aïe. Allez, moto. Moto. Merde, c'est pas du bon côté, elle est du côté du sidecar. D'ailleurs, ça ne tiendrait qu'à moi, le sidecar. Elle ferait bien de le dévisser et garder que la moto. Parce que je la vois pas prendre un passager, là. Ah, à chaque fois, je me trompe de... Oui, j'ai pas du tout d'élan. Tu vas mourir. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, allez, va mourir, j'en ai marre. J'arrivais plus à me sortir de ce merdier. Aïe, aïe, mais non. Ah merde, alors attends, il faut que je mette la protection anti-bouton Windows. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Excusez-moi, j'ai la chance d'avoir un clavier de joueur qui est l'excellent Logitech G15. Que je recommanderais à tout le monde. Qui est d'ailleurs le modèle pris par Fred Molas, alias joueur du grenier. Vous avez une petite encoche, verrouiller le bouton Windows pour que n'arrive pas ce qui vient de m'arriver et casser complètement l'immersion.
Non, je crois qu'il faille faire usage d'un bouton nitroglycérine. Enfin, nitroglycérine. Nitrocide d'azote. Je manque de propulsion au niveau de la moto. Bonjour, mon cher AJ. Tu dois bien être content d'être en week-end. De pouvoir souffler un peu. Bonjour, Christella. Oh là là. Bonjour, tout le monde. C'est rigolo. Vous arrivez souvent en escadron, j'ai envie de dire. Concours de circonstances, hein, mais c'est marrant. Alors, Lara. Allez! Mim, 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 mim. Violence! Oups. Pourquoi pas? Je pensais pas me garer, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a peut-être des trucs... Ah non, pas le lance-patate. Là, pour le coup... Oh, revolver, c'est la classe, quand même. Oh, je veux bien me les faire au fusil à pépon, les Mickey. Alors... Vache, ils sont coriaces, les salopards. Là, il y en a un autre qui m'attend. Les soldats égyptiens, ils sont terribles. Il m'a rien laissé, l'autre, en héritage. Je crois pas. Hein. Il n'y croit pas du tout. Il a gagné du linge qui ne m'intéresse pas. Burp. Je suis persuadé que je suis passé à côté d'un truc tout à l'heure. Il y avait la grille qui était fermée. Bizarre. Pardon. Oh, puis cette foutue pente. Faudra que je la passe avec de l'élan. Faudra que je mette bien la moto. Alors attends. Allez, reprends ton engin de mort, ma grande. Voilà. Recule. Ouais. Non, c'est pas dans le bon sens. Attends. Ouais. Si tu veux. Pause. Sauvegardons. Voilà, t'es bien calé. On sauvegarde. Allez, Lara. Allez, Lara. Merde. Attendez, je bois un coup. Oh merde. T'as encore chopé un truc, mon pauvre AJ? Oh, pour l'instant, j'ai la gorge qui me pique et je sens un peu de fièvre. Ah, si t'as un deuxième service Covid, mon pauvre. Oh. Eh, c'est pas cool ton histoire, parce que tu vas être condamné à faire ta scolarité en pointillé. Si tu loupes 2 semaines, 3 semaines par Covid, mon pauvre. Là, t'es parti pour te faire tester lundi. Ah, mon pauvre. Aïe. Non, c'est pas ça le tableau. J'ai pas trouvé la touche turbo sur le sidecar. C'est quoi la touche turbo? La touche turbo in the morning. Burp. Non. Enfin, je pense qu'il y a un turbo, non? Ou alors j'ai pas le bon angle dessous? Là, comme ça. Merde, j'ai raccroché le mur. Si vous avez toujours rêvé de voir Lara Croft finir en petits morceaux, cette séquence est pour vous. Merdoum! Est-ce
Ce serait quoi la touche? Adieu. Ah, ça peut être ça aussi en accélération. Non. Voilà. Il ne voit pas du tout ce turbo. Mon truc, je sais pas sauter, c'est surtout ça. Voilà. Il y a vraiment une trajectoire précise à observer. Là, c'est l'angle le plus haut et hop, je tourne. Mais on n'est pas comme ça. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Merdoum. Mais je serais Lara, moi je dévisserais le sidecar, je garderais que la moto, tu serais plus légère, ma grande. Ah là là, Lara, tu peux pas faire de la mécanique, là? T'es doué pour tout. Allez, zou. Ce serait quoi la touche que j'aurais loupée? Je vois pas. Non, c'est pas ça. J'ai pas l'air con. Non, pas comme ça. Et je ne verrai plus jamais l'Égypte comme avant. Mais... Non mais c'est pas possible, il me manque une touche. Faut accélérer à mort. C'est quoi la touche? C'est pas ça. J'ai pas... Putain, il me faudrait une grande ligne droite. Là, je vais me faire allumer par les... Voilà. Elle est morte. Pauvre chatte. Ce serait au millimètre près le saut. C'est dégueulasse, mais pourquoi pas. C'est un défi comme un autre. Mais non, 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 non. Non, 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 il y a un truc qui m'échappe vraiment. Faut pas que je fasse tomber un truc pour que ça fasse pou. Non, je vois pas quoi. Pas d'élan. Attends, jusqu'où elle peut aller? J'ai pas vérifié l'aiguille là. Attends, jusqu'où elle peut aller en accélération? Non, ça va causer nique le machin. Okay. Elle est un peu morte. Alors, ça veut dire que quand je fais ça, je suis au taquet en fait. Là, je suis à pleine vitesse. Non, il y a une touche qui m'échappe. Mais c'est quoi en fait? Non, c'est pas ça. Oui, alors on va mourir. Aïe aïe aïe. Mais si je me... Hein? Bon. Ça va pas m'aider. La vache, les salopards. Il doit y avoir une touche, mais je la trouve pas.
Ah merde. Je suis dans un entre-deux. De me dire, est-ce que finalement il n'y a peut-être pas de touche et c'est moi qui saute mal. Ah, je suis pas dans la... Moi, la trajectoire, elle était bonne, mais il manquait de la patate, quoi. Merde, merde, merde. Ah, halte, c'est le frein, déjà. D'accord. Je peux freiner à mort. Oui, on le voit, la diode. Excellent. Attends, parce qu'avec Lara... Il y a le coup de ça, oui, dam bam bam, là je tire, donc espace. Ça c'est la roulade, machin. Ça aussi c'est des touches, je sais jamais. Ça pourrait être la touche là. Il n'y en a pas 50 avec Lara. Hein. Ça peut être ça aussi, mais bon. Bref. Petit coup de démalheur. C'est pas la touche là. Pardon, hein, mais je vais faire toutes les touches, mais il faut que je trouve la super accélération. C'est pas ça, c'est pas ça. Les autres touches sont... C'est pas ça? La merde alors. Il y a la barre espace que j'ai pas testé. Non, c'est pas. Ça me donne pas du boost. La merde alors. J'ai quasiment fait toutes les touches avec Lara Croft. Ah, je suis bien embêté. Ce serait con que je sois coincé par ça, quoi. Je vais vous faire 10 000 fois la même séquence, c'est d'un chien. Elle peut pas dévisser le sidecar. Oh là là. Dévisse le sidecar. Malheureuse. Ah, tu penses que ce serait pas le bon chemin? Peut-être. Bonne suggestion, tu as raison. Je vais continuer à pied. Oui, là j'avais ramassé l'arme et Schmilblick. Alors au-dessus il y a les satanés canons là. J'irai bien en face là, mais je vais me faire allumer à mort. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Ouais, ouais, c'est très original. Oh la vache. Si je trébuche, forcément je m'expose, donc c'était pas ça qu'il fallait faire. Merdoum, cretoum, chotoum, bordeloum. Ta la vache. Non, c'est pas les... Non, ils sont là-bas les trucs, on les voit.
Même derrière ça, ça compte pas. Waouh, c'est dégueulasse. Je peux même pas me planquer. Aïe. Ouais, non, bref, ça sert à rien mon truc. Allez. Oh là là. Je vous fais toutes mes trousses de santé pour un truc à la noix. Vous allez voir ça. Hein? Qu'est-ce que... Il s'est fait déboîter lui. Mais alors la violence. C'est sous cette grille que je me retrouvais tout à l'heure. Alors, pardon, je vais refaire la séquence, mais en perdant moins de vie, parce que faut vraiment que je fasse gaffe à aller à l'économie. Je me fais bouffer de la vie pour pas grand-chose. Je peux pas passer tout doux discrètement, si... Voilà, là, ils m'ont pas eu. Ah bah elle est très bien garée. Une chef Lara Croft. Allez, go. Hop, yep, yep. Ah non mais le gars s'est fait déboîter. Par quoi? Allez Lara! Non, pas comme ça! Mais non, mais... Tu peux... Non, tu peux pas? Bah, qu'est-ce que tu me fais? Je te reconnais plus Lara, mince! Normalement, t'en es capable! Ouais. Non, elle veut pas... Elle veut pas s'engouffrer là-dedans. Je comprends pas là. Non, il n'y a rien à faire sur la dépouille. Qui est bien solide, hein. C'est un bloc solide, mais... Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Il n'y a rien. Si, il y a un truc sur le côté. On voit qu'on peut aller à gauche en montant, là, au fond. On le voit! La texture le suggère. Bon. Non, le lustre va pas m'aider, visiblement. Je piche pas. Je piche pas du tout. Je vais ressortir, je vais me faire pulvériser par les schmilblicks là. Oh là 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 là. Ça, j'ai déjà fait. C'était le lance-grenade et une trousse de soins. Donc ici, j'ai plus rien. Ouais. On est d'accord, ça s'escalade pas. Non, ça s'escalade pas. Bien vu l'état du mur en piteux état. Là, j'avais zigouillé un soldat égyptien. Oh, elle s'évade par-dessus les murs. Adieu.
Elle pourrait si elle voulait. Elle pourrait. Oh. Les mystères d'Égypte. Je vais pas être bloqué connement là. Merdoum. Donc ça c'est fait. Elle l'ouvre pas d'elle-même la grille, on est d'accord. Qu'elle me fasse pas une blagounette en disant ah, il y a qu'à pousser. Allez, cours, 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 cours. Ici, j'ai loupé des trucs. Oh la vache, c'est stylé quand même. Là, je vais revenir à la... au levier. J'avais fait tout à l'heure. Je pense pas qu'il ait bougé. Je pense que maintenant qu'il est sur la droite, normalement. C'est ça, il est sur la droite. Ah, c'est peut-être... Mais non, ça peut pas être la même grille, je suis beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, merdoum, le niveau qui rend fou. Si je remets ça en place, il se passe quoi? Enfin... Faut-il encore que Lara accepte de... Merci. Oui, ça n'a pas ouvert de grille. Là, j'ai refermé un truc. Mais quoi? Je l'ai remis dans sa position initiale. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On est d'accord qu'en face, je peux pas y aller. Non. Oi, 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 les mystères d'Égypte. Là, je peux pas y aller. Si je trichote, que je me mets sur le... Non, Lara. Et que j'essaye de voir au possible. Ouais, non, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Oh merde, il y a des casse-bonbons. Oh là là, oh là là. Évidemment, ça, elle peut rien y faire. Oh merde. Ah, ah non, mince, j'ai cru qu'il allait me donner un objet, le mec, mais non. Je n'ai rien reçu en héritage. Je n'ai rien reçu en héritage. Dommage. Dommage, dommage. Oui, bon, ça, c'est la... D'accord, j'en fais rien des trucs ennemis, là. Celle-là, elle a complètement fumé, là. Elle est complètement déboîtée. Ah oui, merde, il y a un sniper sur le toit. Non, bah, je suis revenu bêtement au début du niveau. Ouais, j'avais grimpé par là. Non, mais ça n'a aucun intérêt, mon truc. Ça aurait été la grille là que j'aurais...
Merde. Oui, bon, là on voyait qu'il y avait des textures qui n'étaient pas appliquées. Il n'y a pas les textures du dessus. C'est quand même pas le levier que j'ai manipulé pour la grille du fond, si. Il nous ferait faire un... Attends. J'avais pas vu. Là, il y a un truc. C'est vachement haut. Bizarre. Si je remets le dit levier, bougez pas. On va mener une expérience au niveau du levier. Ça actionne forcément quelque chose. Reste à savoir quoi. On va voir si c'est pas le jeu de gris du début. Ce qui voudrait dire que le niveau, on va se le recoltiner, mais dans l'autre sens. Donc là, je refais comme tout à l'heure. Je vais repousser le truc pour me mettre dans une nouvelle situation. Merci Lara. Oh, ça c'est le grand mystère. Qu'est-ce que j'ai actionné? On va retourner voir la grille du début. Est-ce que c'est ça? C'est là où ils sont salopards par rapport aux opus précédents. Avant, ils mettaient des caméras d'action. Ce que vous enclenchiez, on pouvait voir, repérer ce que c'était. Là, ils mettent plus de caméras, les salopards. On actionne des trucs et... Démerde-toi pour deviner ce que c'est. Donc la difficulté, elle a monté crescendo, quelque chose de bien. Ça fait vachement loin pour un levier. Attends, le machin, il t'actionne le bordel à l'autre bout de la ville. Ah non, les grilles sont toujours fermées. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oh! Il est violent! Waouh! Attends, un moment j'avais cru voir un... C'était quoi que j'avais vu? Non, c'était pas là. J'avais cru voir une porte, mais en hauteur. Ah oui, c'était ici. Bizarre. J'ai l'impression que je peux y aller, mais... C'est trop bizarre. Quand même pas que je saute sur ce merdier. La moto ferait écraser de tout son poids le truc. On peut essayer, hein, mais c'est bizarre. Ah merde, je les avais oubliés! Cochonnerie! Je les avais oubliés. Oh là là, tant de mystères. Allez! Donc ce serait là qu'il faudrait que je fasse un saut. Alors attends, je vais prendre de l'élan. Et hop là! Mais non, j'y arrive pas! Oh. Violence, violence routière! Passe pas. J'ai le sentiment d'ignorer une combinaison de touches pour avoir un turbo sur la moto. Enfin, sur le sidecar. Mais va trouver quoi? Attendez.
Je vais... Oh non. C'est... Je veux pas entendre la moto pendant ma recherche. Je vais regarder, je vais trichoter sur internet dans le sens que je vais regarder les cases, les touches. Tomb Raider 4, c'est quoi les touches? Ah bah j'ai peut-être un manuel. Ah bah j'ai un manuel avec oui, du coup vous devez voir mon Tomb Raider machin. Attendez, on va se regarder le manuel ensemble, bugez pas. Je vous mets la page internet avec le manuel. La prophétie. Je veux connaître les touches. On peut zoomer, s'il vous plaît. Alors, action, drone, weapon, jump, broad, drone, flare, shift, wall, side, nanana, sprint, when moving forward, press R when you make dive and roll forward. Zero, nanana, change target. Pressons, ajuste, laser light, duck, crow, pose and zoom, hotkey. Alors, design weapon, use large. Ah, je savais pas, dis donc. Ah, bah j'ai bien fait de mettre mon pif dans les. Ah, augmenter la résolution et la diminuer, tu peux le faire au clavier. Wow. Utiliser large medipack, petit medipack. Ah, c'est pas mal, 0 et 9. Ça peut être vachement pratique, faut y penser. Véhicule. Ah, motorcycle inside car. Ah, activate nitro. Le point d'interrogation. Eh ben, je pouvais toujours chercher. On y retourne. Là, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. De l'intérêt de lire les manuels de jeux vidéo. Oui, c'est mal foutu. Alors, ok. Presque. J'ai pas assez d'élan. C'est le dernier week-end du mois de novembre. Bonjour mon cher fun fan. Pardon, je t'avais même pas vu arriver. Le dernier week-end du mois de novembre. Merde. J'y arrive pas. Bah d'ailleurs, ça marche pas. Bah, c'est ça la touche et ça marche pas. Bah merde! Attends, clavier QWERTY? Attends, mais non, mais ça marche pas votre truc! J'ai pas de turbo? C'est quoi ce merdier? Bah! Alors, oui, c'est mal foutu. Ah, ne me dis pas qu'il faut que j'appuie sur majuscule en même temps. Non. Bah, c'est quoi cette merde? Bah. Comment veux-tu que je m'en sorte? Ça marche pas, votre truc. Oh. Nope, j'ai réussi un truc. Oula. Oulala. Bon. Ah.
I-O-U-Y. Ah, allez, on va faire comme ça. Mais effectivement, il n'y a rien dans l'eau. Il n'y a rien dans l'eau, il n'y a rien dans l'eau. What? What? Je sens que les chauves-souris vont me les briser. Les mystères de l'Égypte. Et plus de chauves-souris. Oh, le sacro-saint fusil à pépon. J'ai gagné des munitions. Ah, des torches phosphorescentes. Bon, 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 bon. Enfin, au phosphore. C'est pas évident du tout. Chibidi bidi bidi bidou. Ah, et un truc par là. Non, je pense que les portes, c'est pour la déco. Dans tes touches, il y a signé le turbo sur point... Bah, j'ai pas l'impression. J'ai essayé même avec la touche majuscule et... Oh, mais c'est une visée laser. Elle monte en gamme, la miss. Oh... Attends, elle est où la visée laser? J'avais déjà pour l'arbalète, mais... S'ils me la remettent en cadeau, c'est que j'en avoir besoin. Là, il y a un truc à faire en haut. Je viens de voir l'interstice. Oh, il y a plein de choses. Il est tout le nain long. Oui, c'est ça. Il y a un suisseltin, il est tout le nain long. Là, il y a un truc. Allez, Lara. Allez, Lara. Ah, jusqu'où elle peut aller comme ça, je ne sais pas. Oh. Suspend? Non, ça ne suspend pas. Bidi, 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 bidi. Quoi? Quoi? Mais c'est une cloche? Faut la faire sonner, la cloche, ou... Attends, c'est quoi mon flingue? Ah non, j'ai libéré un esprit mauvais. Oh, j'ai été maudit par l'esprit mauvais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? On est d'accord, il n'y avait rien là. Ouais, non, il n'y avait rien là. Le mystère de l'Égypte. Mais derrière les chauves-souris qui me les brisent. C'est bon, il n'y en a plus. Ah si. Saleté de colochonnerie de saleté. Allez mourir. Eh ben dis donc. Oh mon pauvre Jay. Bon, on va voir comment ça évolue, mais... Ouais, non, il n'y avait rien d'autre à faire. Bon, là, je regagne la lunette. Il y a une porte, visiblement. Bon, tout simplement, là, je n'y suis pas allé. Oh...
Ça sent l'énigme à plein nez. Bon, je vais revenir sur l'esprit maudit, là. Le coup où je saute et puis que ça me quick. Voilà, merci. Petit raccourci. In the trinket. Allez, Dieu. Oui, mais je peux pas sauter en face du coup, moi. Ah, si. Si, j'ai rien dit. Faut surtout pas tirer. On ne casse rien. Oh. Ok. C'est une prison. J'ai pas compris. C'est quoi l'intérêt du truc? Non mais vous êtes sérieux les gens? Parce que si je pète ça... Oui, et après. Oui, bah elle est foutue, Lara, je pense. Ah non. Les trucs se sont barrés. Alors attends. Est-ce que je peux aller plus haut, comme dirait la chanson? Non, j'ai aucun intérêt. Je vais essayer un truc, mais aucun intérêt. Alors là, je comprends plus. Que là, il y a les esprits maudits dans la sphère qu'il faut pas que je pète. Waouh, la logique égyptienne, ça me tue. Oh, puis il y a du courant. Ça veut dire que j'ai pas le droit de tomber dans l'eau. Oi, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? J'ai des délires égyptiens. Et là, je retombe. Ici? Oh la vache, c'est haut en plus. Non, et je recommence. Ça veut dire que j'ai échoué. Oh les salopios. Oh là 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 là. Alors attends. Hop, merde, j'ai sauté trop tard. Ah, je crois que j'ai fait la sauvegarde au bon endroit. Non. Merde, dommage. Donc ça, je m'en fous, en fait, le coup de la jarre, machin. Par contre, alors je vais re-sauvegarder en étant au bord avant de me lancer dans l'épreuve. Voilà. Voilà, là, sauvegarde intelligente. Si je fais ça... Nope. C'est pas ça. Mais non, mais... Et de toute façon, je suis idiot, mais elle est condamnée à tomber, la miss. Attends, où est la logique de ce truc? Faut quand même pas qu'elle tire au flingue. Non, y a pas... Ça n'a pas de... Alors, attends. Est-ce qu'elle... peut atteindre les côtés, je ne pense pas, mais bon. Elle ne peut pas. Et en face, il y avait quoi? Non, il n'y avait rien. Aïe, 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 aïe.
La logique de construction de ce niveau, mais ça rend fou, quoi. Elle peut rien faire. Là, elle me dit pied de biche. No. No. Bon, no, c'est no. Alors. Ah, je sais plus quoi penser. Tipi-li-pimpon sur le chihuahua. Mais je t'avouerai bien que j'y comprends plus rien ce coup-là. Perli-pimpon sur le... Pff, elle veut pas sauter, hein, donc... Zébaza. Quand même pas qu'il faut que je provoque les esprits qui passent pas l'eau. Mais ça m'apporterait quoi? Les esprits vont rien déclencher. Là ici j'ai la lunette. Ah, ça y est, j'ai compris. Il faut que je dégomme un truc à distance avec la lunette. Oh mon dieu. La torche. Bleh. Non. Nope. Ce n'est pas une bonne idée. Rien. Je ne pige pas, il faudra me dire ce qu'il faut faire là. Je pige pas. On est d'accord que si je fais un saut et que je... Hop, non plus. On va retourner voir les esprits. Bonjour, Undell. Réfléchissons. Nye. Mickey. La. Oui, ça va, peinard. C'est le week-end, donc on se détend, on s'ouvre les chakras, là, tu vois. Relax. J'espère que toi aussi, ça va bien. Là, c'est énigme égyptienne, là, c'est... Alors, je vais la mettre de côté. Allez, Laura. Et alors, là... Alors, là... Non, pas l'arbalète, mais le... Juste pour voir, si je déclenche ça. Voilà. Là, j'ai libéré les esprits pas contents. Bon, là, j'ai rien. Attends, je vais jouer un peu avec les esprits. Ça n'ouvre rien. Là, il se passe rien. Je reprends une prise de vie, évidemment. Ils vont me bouffer, les salopards. Imaginons que je continue avec les salopios en ma compagnie. Ça n'apporte rien d'avoir les esprits vengeurs. Ah.
Pourquoi l'eau était glacée? Il vient de se passer un truc. Oui, il faut lâcher oui, la pression de lichen, ouais, c'est important. C'est très important. Attends, si les esprits ne sont plus là... Bizarre. Bon, je peux péter l'urne aussi là, non? Non, ça veut pas, bon, tant pis. Lara, je ne veux même pas savoir ce que tu essayais de faire. C'est scandaleux. Pourquoi elle a mis son popotin en direction de l'urne? J'ai pas compris. Une démangeaison, peut-être. Mais à quoi ça sert, du coup? Mais sérieux, là, je ne pige plus rien. Je ne pige plus rien. C'est trop bizarre. Parce que libérer les grillons, ça va rien m'apporter. Se laisser glisser peut-être. C'est... Faut que je saute, il faut que je me laisse glisser. Ah, tout doux. D'accord. Oh, les mécaniques du jeu. Ça va doucement, je pensais être enfin guéri, mais j'ai rechuté en fin de la semaine. Comment se passe ta session? Jamais fait des anciens Tomb Raider. Je découvre totalement. Je m'étais plus jeune, je m'étais arrêté au début du 3 que j'avais adoré. Et j'ai fini le 3 sur mon antenne il y a quelques mois. Et j'ai dû le finir à la fin du printemps, je crois, Tomb Raider 3. Et là, je suis plus cet été en Égypte dans le 4. Il est relevé, hein. Il est balèze le 4. On progresse. Mais il est beau. Hein. Oh la vache, il est d'une beauté ce jeu. D'ailleurs, il faudra que j'essaye de faire un clip la semaine prochaine avant que la séquence ne soit détruite. Vous savez que les vidéos durent 15 jours sur Twitch. Il y a un moment, je fais une plongée dans ma partie du week-end dernier. Il faudrait que je la capture. Elle est superbe. J'ai pas eu le temps de tout regarder de ce que j'ai fait du week-end dernier, c'est dommage. Quitte à moins voir les copains la semaine prochaine, pardon d'avance, mais le fait de regarder mes séquences pour faire des clips, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, attends voir. J'aurais ouvert quoi? Ça. Ok. Alors, ici, il y a du nouveau. Ouah, l'Égypte. L'Égypte rend fou. Ouah, poil au cou. Ah. Oh. Allez, vas-y, pète tout. Défonce tout, Lara. Allez, pas. Oh, c'est un cadeau. Merci pour ce cadeau.
Doink. Oh, oh oui, des munitions d'Uzi. J'ai tout balancé, moi, dans la bibliothèque de Cléopâtre. Pour trucider des horreurs, en fait, j'aurais pu prendre le flingue classique, mais bon. J'étais tellement en rage contre ces bestioles que... La 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 li la lu la 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 la. Allez, oh, on entend de l'air. Il y a un courant d'air. On entend un courant d'air. Que dis-tu, Handel? Oui, il est balèze en termes d'énigmes et de fouilles et de mécanismes de jeu. Ouais, ouais. Il a... J'ai échoué pour des conneries. Hein. Là où j'ai perdu 2 mois de jeu, en fait, c'est que j'avais oublié qu'un cube avait 6 faces. Comprends par là que j'avais fait les 270 degrés, 3 faces d'un cube, et c'était la 4e face qu'il fallait que j'observe, qui était en fait une échelle. Et j'ai tourné en rond dans un niveau, à tel point de le faire bugger. Il y avait des pièges, j'ai fini par prendre le niveau dans le mauvais sens, et il y a des déclencheurs auxquels j'ai échappé. Et en fait, t'avais des grosses chaînes en suspension qui bougeaient pour patater Lara Croft quand elle passait dans la zone. Bah, à un moment, j'ai fait le niveau en sens contraire et les chaînes étaient rattachées, ce qui n'était pas normal. Mais bon, j'étais plus à ça près. C'est pour dire. Alors attends, faut que j'aille où, moi, du coup? On entend qu'il y a du vent, là. Bon, là, c'est le petit bonus. Ah, bah oui, il faut que j'aille là. Quel idiot. Mais quel idiot je fais. Qu'est-ce qu'il y a? Je me prépare à manger, je vous dis à tout à l'heure. Oui, bah, bon app. A tout à l'heure, fun fan. Oh, je pense que je joue encore une petite heure à Lara Croft avant de vous mettre en relais de chaîne chez je sais pas qui. Puis on se retrouvera l'après-midi pour faire du fear, etc. Oh merde. Hop, 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 hop. D'accord, je me retrouve ici. Ok. T'as le salopard, le mec. Oui, c'est sa bonne purée. Oh là 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 là. Oui, mais pour faire quoi, là? Faut que j'aille en face? What? J'ai pas compris la manip. Attends. J'ai pas compris l'intérêt de la manœuvre. Ouais. En fait, le mec, il est sur le toit du bâtiment opposé. Il essaie de me dégommer au lance-grenade. Ah. Je suis plus à ça près. Hein. Attends. Ah, j'avais pas vu. Ah, d'accord. D'accord. Et là. Oh, ça me fait un moustique en moins. J'étais pas dans l'axe. Merde. Oui, l'accueil est pas terrible. Je te le fais pas dire. Enfin. Non, va mourir, quoi. Oh, joli. Je l'ai eu par ruse, c'est bien. Ah oui! Alors. What?
Les balcons, on peut pas y aller. Les balles. Oh bon, je suis tombé. Oh. Alors, ça monte, ça descend. C'est. Oh. Vas-y voir que j'aille tout au fond du troux. Oh, il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui est pas très généreux, m'a rien donné, je lui ai mis sa fessée. C'est de ne pas où par ici. Oh là. Hein? Ah, c'est juste un petit cadeau. D'accord. Des flèches. Bon. Oh, on va pas se plaindre. Allez, Lara, esquinte-toi les genoux. La 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 la. Et moi je fais quoi après tout ça. Pardon, j'ai plus de voix. Oh là là. Mais ça va jusqu'où là? D'aller plus haut, d'aller plus haut. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, la suite est par là. Enfin, je crois. Ça n'arrêtera donc jamais. Oh là là, il y en a partout. Allez, allons ici. Merde. Oh, je pensais qu'elle allait passer proprement le... Mais pas du tout. Attends. What? Mais. Mais what the fuck? Non, bon bah je veux. Ah, soupir. Oh, c'est très lumineux. Est-ce que c'est justifié que ce soit si lumineux? Mais oui, mais c'est ça. Alors attends, pause. Recharge avant de tomber. Recharge avant de tomber parce que. Alors là, je finis par avoir le cerveau qui bug. Merde. Bonjour, Oscar Capac. Oui, petit coucou, merci du petit coucou, j'espère que tu vas bien. Attention. Pouk. Non, mais non, là je fais n'importe quoi avec Miss Lara Croft. Attends, ça c'est une trappe, ça? Eh, hey, c'est une trappe, ça. Non? Non? Ou attends, c'est pas la bonne face. Comme ça. Non, t'es sérieux? Non, c'est pas une trappe. Oui, mais là, je monte où? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça s'escalade pas, on voit que les murs sont trop lisses. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est trop lisse. Donc c'est un truc de descente. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Je piche pas. Mais je n'espère pas rester planté là. Non, il y aurait fallu sauter plus tôt, mais à mon avis, tu vas te briser les os, ma grande. C'est ça. Ah oui, c'est l'opposé de... D'accord, je vois où ça mène. Ça m'aidera absolument en rien. Ouais. Moi.
Donc, est-ce que... Voilà autant descendre du truc, parce que... Je me serais libéré des accès, ou... Ah merde, je les ai oubliés. Ah! Là, il y avait une grille, elle est ouverte ou pas? Elle est fermée. Merde. Je suis entubé. Excusez-moi du peu. Merde. Alors là, je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Merde, 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 merde. Aïe. Ça sert à rien, c'est juste artistique. Ma petite ritournelle en tête. Alors du coup j'arrive là, mais c'est quoi mon intérêt d'avoir déverrouillé ici? J'ai pas l'air idiot. Attends, j'ai laissé un truc, non? Ah mais c'est un... Ah mais c'est une trousse de soins. Hop là, non je peux rien faire. Donc il y a... ça me rappelle un peu le Tomb Raider 2 avec Venise. Venice. Ça, ça m'amenait à rien du tout, c'était un secret. Donc là, c'était un cul-de-sac. C'était un cul-de-sac. Je m'efforce de mémoriser la géographie des lieux, si vous voulez. J'essaie de me faire une mémorisation 3D des lieux en tête. Ce qui est pas une mince affaire. Pour essayer de me dire c'est quoi les aboutissants de tel ou tel truc. C'est un objet, ça, ou j'ai rêvé? Attends. J'ai rêvé. Je vois des objets partout, oh mon dieu. Je viens de là. Ça fait le lien entre plusieurs lieux. Là, j'ai une bizarrerie. On est d'accord que le pied de biche servira strictement à rien. No. No. No, 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 no. Forcément une logique dans tout ça. Le truc énigmatique, c'est quand même la partie là-bas. La partie là. Oh là, elle peut passer. Oh. Elle abuse. Elle abuse. Ça quand même, c'est énigmatique. C'est énigmatique. C'est énigmatique. Et là, elle n'est plus rien non plus. Poilo U. C'est moi ou les flambeaux étaient éteints tout à l'heure? Ils étaient éteints, les flambeaux, là. Pourquoi ils sont allumés? Il y a un truc, c'est Majax. Merde.
Ça me laisse vraiment dubitatif, hein. Les énigmes du jeu, là, c'est... On va vérifier si j'ai pas une grille qui s'est ouverte dans les passages. Ah oui, c'est vrai, les niveaux sont assez retors dans Tomb Raider avec des issues pas faciles à trouver parfois. Ouais, ouais, ouais. Hein, j'en bave, je te cache pas. Que j'en bave. Mais le jeu est beau. Il faut l'avouer, j'aime beaucoup la direction artistique. Non, non, le truc, il est pas ouvert, ça reste une grille. J'ai pas compris mon intérêt d'avoir déverrouillé le... Faut pas que j'y aille en moto, quand même. J'aurais un intérêt à y aller en mob. Attends. Attendez. Je reviens au début, poil au U. Ouais. Oui, oui. Imaginons que j'amène la moto jusqu'ici. Pour le moment, l'intérêt est grave nul. La moto peut aller là. La moto peut aller dans les escaliers. Ce serait très chaotique, mais la moto peut aller dans les escaliers. Ne me dis pas qu'il faille aller avec la moto là-dedans. Oh non, vous êtes des maboules. Elle est où la moto? Je sais même plus où est-ce que je l'ai garée, moi, du coup. Oh là là. Puis là, je vais me faire allumer. Elle est là-bas, je crois. Non. Sprint. Sprint. Elle est là, je crois, la moto. Non. Merde, où est-ce que je me suis garé? Je ne sais plus. Je l'ai garé où, la moto? Je sais plus du tout. Ouh, la moto! Mais non, mais je l'ai pas laissé là-bas, si. Mais non, elle est pas là. Tiens, pourrais-je te conseiller une chaîne YouTube de visite guidée? Ah, volontiers! N'hésite pas à me la mettre en message privé, Raskar Kapak. Merci à toi. Ah oui, par curiosité, je veux bien. Hein. Je suis toujours intéressé par tout ce qui est lien culturel que vous me cédez. D'ailleurs, je vais encore saluer l'ami Twinsen qui fait de soin à tous. Je sais plus s'il est encore dispo. Si c'est le cas, foncez dessus, il est très intéressant. Il y a Samuel Etienne qui a fait un documentaire sur Twitch pour France Télévisions qui dure 3 quarts d'heure. Il vaut vraiment le coup d'œil. Il a donné son analyse quand il s'est lancé sur Twitch. Et c'est très intéressant. Vous allez sur France.tv. Alors, faut ouvrir un compte si vous n'en avez pas un. C'est le côté chiant du truc. Le documentaire qui dure 45 minutes, franchement, il est bien. Le sidecar. Où est-ce que j'ai rangé le sidecar? Il est forcément là. Je me suis garé où, moi? Je suis revenu au début avec le sidecar, non? Bah merde! Qu'est-ce que j'ai fait du véhicule?
Quand je suis descendu du sidecar la dernière fois, c'était où? Je vais devenir fou. Ah merde. Ah mais oui, j'avais fait le saut avec le... Ah merde, il faut que j'aille m'extirper du merdier là. Il est là mon truc mûche. Mais attends, je peux pas revenir avec le sidecar, si? Mais non, je peux pas. Mais non, je peux pas. C'est fini le sidecar. Là, je l'ai. Elle est où la logique? Ne me dis pas qu'il faut que je fasse le saut. Il faut que je fasse un saut de l'ange en fait. C'est pas en sidecar qu'il faut que je passe. Mais il faut que je fasse un saut de l'ange pour me glisser dans l'interstice. Je vois pas autrement sinon. Oh le truc de fou. Wow. Donc faut que je sauvegarde au sommet des escaliers. D'accord. J'y crois pas. Les distances sont faramineuses. Attends. Bah non, c'est pas ça. Elle vient de se... Elle vient de se cogner, l'autre nunuche. Ou alors, faut que je recule de... C'est horrible. Ah, c'est horrible. Oups, oups, oups. Fausse bonne idée. Alors. Bien, Christella. Souvent, tu ramènes souvent ta fraise. Alors, le youtubeur est un passionné d'histoire et agrémenté des aventures de Lara Croft avec les canards. Eh ben, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est Morlock et Vieux Jeu. C'est ça, Raskar Kapak? Morlock et Vieux Jeu, je me trompe? Oui, tu peux, merci, ouais, ouais. Morlock et Vieux Jeu, il est extra, ce garçon. Ouais, il est très fort. J'ai déjà écrit un mot. J'ai été forcément dithyrambique. Ah non, mais Morlock et Vieux Jeu, il fait un boulot remarquable. Est-ce que j'ai d'autant plus sympathie pour lui? Pourquoi? Parce qu'il fait le même métier que moi. Il est technicien informatique. Alors, je sais pas s'il est spécialisé dans le réseau, mais je peux le considérer comme un confrère. C'est fort sympathique. Non, il est très fort. En ce moment, je suis en train de m'endormir à m'écouter ces épisodes sur le premier Tomb Raider. Sur le premier Resident Evil dans le manoir. Il a fait une analyse. Ouah, il retrouve de ses infos aidées avec sa communauté. D'ailleurs, dans sa commu, je crois qu'il y a une étudiante ou une spécialiste d'histoire de l'art de Nancy. J'avais cru comprendre qu'il y avait une ancienne dans sa... Dans sa troupe, on va dire, sa commu. Avec des éviers énormes. Oui, tu te saignes, je ne te suis plus. Mais bon, bref. Mais ouais, tu fais bien, merci Raskar Kapak. Ah ouais, non mais il est extraordinaire. Le travail qu'il accomplit, Morlock. Morlock et Vieux Jeu, c'est... Waouh. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Oui. Bon, bah je finis par sécher. Bah, ils étaient allumés les trous gnougnouf. J'avais les... Quand je vous disais que c'était éteint.
C'est quoi qui fait que ça s'allume ou que ça s'éteint? Ne me dis pas qu'il y a un truc chronométré. Non, bah là, je suis tout au fond du trou, c'est ridicule. C'était allumé tout à l'heure et maintenant c'est à nouveau éteint. Va comprendre le comment du pourquoi. Pardon. Ah non, mais là je piche plus, je ne piche plus, poil au cul. Faut pas que je fasse mumuse avec le... Voilà, avec l'arbalète, ça m'amusait à viser des trucs. Le truc débile à souhait. Allumons les torches. Oh mon dieu. Je pense que la suite est par là, mais comment l'atteindre? Comment l'atteindre? Alors là... Yes, sèche, je ne comprends plus, poilouille. T'as le truc de fou, j'aurais eu le sidecar. Oui, le tremplin suggère de... On est d'accord que c'est pas en sprintant qu'elle va faire un miracle. Bah non. Se fait mal en plus. Tu m'étonnes. Je ne comprends plus rien. Je sais qu'à un moment il y a un accès. J'avais vu depuis la face opposée. Là c'est un plafond parfait. Arrive, désespoir. Je ne comprends plus. Là il y a un truc de chute. Là on le voit, enfin on le voyait, oui si là on le voit un peu. Je repars en sens contraire, mais oui bah non, je reviens à l'entrée là. J'ai ouvert la grille. Et je suis vraiment condamné à pas retrouver ma... mon sidecar. C'est bizarre quand même. Là, on est d'accord, va pas y avoir de miracle. C'est un mur, je peux pas. Oh ah, je suis pas au bon endroit. Ya ya ya, je deviens fou, va mourir. Merci Oscar Capac, merci. Il y a un mec qui fait jour, nuit dans le jeu. Ah bon? C'est dommage que tu n'es pas venu un peu plus tôt, on aurait rigolé. Bon, c'est... il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions. Non, mais fun, Julien, tu dis ça, tu crois arriver premier, enfin avant... Thunesen, mais... Thunesen, il m'accueillit dès ma prise d'antenne.
Puis là, pardon, j'ai pas commencé à 9h, mais à 10h. Parce que j'avais des tâches ménagères en retard et il fallait vraiment que je les fasse parce que c'était pas bien sinon. Donc je me suis pris une petite heure ce matin au lieu de faire mes muses à gérer entre autres ma vaisselle. Aïe 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 aïe, ce Tomb Raider. Alors, nous avons des murs en papier de carton. Voilà, alors, on avance. Donc, j'avais bien lu le niveau. Faut faire le nigo avec ça. Et allez là, c'est bien un tremplin pour sidecar. Je me suis fait peur. Alors attendez, on va sauvegarder parce que là ça va être acrobatique. Oui, alors sauf que j'ai pas trouvé la touche, mon cher Raskar Kapak. C'est ce que je me tue à essayer de faire depuis tout à l'heure. J'ai même ouvert le manuel en direct du jeu. On me rend compte que la touche... Merci. Alors, la suite. Ah, attends, il y a des rats. Attends. Oh, les mystères de l'Égypte. Je me fais bouffer par des chauves-souris. C'est scandaleux. Ah, allez, on continue. On y croit. Même. D'accord, et je reviens par là. Donc je me suis ouvert un accès. Lequel? Allez, Lara, pousse! On va ressortir par là, hein? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu ouvrir que j'avais de fermé? This is the question. Ah mais oui, je sais. C'est ici. Ah non. Ah, je pensais que c'était la grille là, mais non. Oh, je suis déception. Attends. J'ai ouvert quoi du coup? Oh, ces murs en pain d'épices. Humour. Aïe. Le levier. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Je m'attendais à ce que ce soit la grande grille. C'est pas ça. Est-ce que c'est la petite grille qui était là-bas? Tant qu'à faire. Au point où nous en sommes. Qu'est-ce que j'ai pu déverrouiller? Alors ça c'est déjà fait. Non, il y a toujours la grille. Celle-là à mon avis elle est immuable. C'est donc pas ça. Je sens que je vais me déguster une savoureuse tarte aux poireaux à midi. Je m'en suis acheté une hier, ça faisait une éternité que j'en ai pas savouré. En plus, on est rentré dans la mauvaise saison. Ça va me faire bien bidon, la tarte aux poireaux. Je vais pas bouder mon plaisir.
Ça n'a pas ouvert là. Merde, à quoi vient plus servir le levier? Enigma, 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 enigma. Enigma, enigma, enigma. Là, c'était un secret. Il n'y a pas de fond dans le machin là. C'est déjà fait. Ça a peut-être changé l'état de blocs qui étaient peut-être glissants, qui sont peut-être devenus plats. Allons vérifier dans les étages. Ah bah non, mais non, mais j'ai une caméra que je suis un abruti. C'est ça que ça a changé. Mais oui, faut que je passe devant pour que mon cerveau s'allume. Oh là là, moi qui me plaignais de plus avoir de caméra de... Voilà, c'est ça la nouveauté. Oh, je pense que devant vos écrans, vous étiez atterrés par ma bêtise. D'accord. Oula. J'ai pas compris là. On peut spotter normalement les accords. Ok, je vous laisse. Bon appétit. Bon appétit, à plus, Raskar Kapak. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Ah, c'est là où je voulais aller au début. Mais pourquoi faire? Boum. Non, ça explose pas ces machins-là. Ça explose pas. Ça explose pas ces cochonneries-là. Ça n'explose pas. Attends, une fois que je suis là, est-ce que je peux faire quelque chose de particulier? Nope. Et là, saut périlleux arrière. Oh, ça sert strictement à rien, mais c'était beau. Attends, quel est l'intérêt d'être perché là? Ou alors j'ai loupé un truc. Non, mais il y a une suite de niveaux là, on voit qu'il y a... Attends, voir. Je peux pas sauter avec élan? Mais si! Oh! Ouh, c'est piégé ça, ça va s'ouvrir ça. Crack boom. Ah non. What? Bah, pourquoi c'est pas ouvert? Elle est où la logique dans ce merdier? C'est quoi ça? Ah, c'est des munitions de revolver. Faut que je tire à l'arbalète. Là? Non. Non plus. C'est pas ça. Baramine? Non. Comment ça, non? Non, 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 limite. Non, non, limite. On est dubitatif. Pas que je défonce le truc quand même au lance-grenade, si? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais je capte plus rien. Attends, je suis sorti par là. Non, c'est pas un truc ça. Je capte plus rien. Ouch.
Je ne capte plus rien, 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 rien. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Quel est l'intérêt? Là, j'ai rien loupé. Et je monte par là. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un interrupteur que j'ai pas actionné là, et que ça expliquerait pourquoi la grille est condamnée. Trop bizarre. Faut que je saute dessus et blom avec son poids ça, non? Non, c'est pas ça. Ah merde alors! En plus, on voit qu'il y a un truc. Bonjour Olive qui tue! J'espère que tu vas bien. Oh, t'as perdu au. Oh. Bonjour les. Ah, dommage, t'as perdu à la pêche d'entrée de jeu. Pourquoi pas? C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. Bizarre. T'es visé le truc. Non, ça sert à rien. C'est ridicule, mon histoire. Je ne pige absolument pas. Pourquoi je reste planté là? Pourquoi la porte? J'ai pris un plateau de crudité pour te l'envoyer. C'est vrai que ça fait longtemps une scène que j'en ai pas savouré, hein. C'est vrai. Oh, ça reviendra. J'aime bien quand c'est les beaux jours de manger ça. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière le truc. C'est vraiment bizarre. Oui, mais tirer là-dessus, ça m'apportera rien. Là, par contre... Non, je casse rien du tout. C'est trop bizarre. Pourquoi je peux pas passer? Il y a un truc que j'ai oublié de faire, mais quoi? Attendez, on va un peu rembobiner. Le levier m'a permis d'accéder à ci. Mais l'intérêt, c'est seulement si la grille est ouverte. Donc comment je fais pour ouvrir la grille? Ou alors il y a un autre truc que j'ai zappé. Et puis là, pourquoi magie du démon, j'ai les torches qui sont allumées pour le coup, alors qu'elles étaient éteintes avant. Enfin bon, bref. Non, là, ça n'a pas changé l'état du truc, c'est toujours casse-gueule. C'est bizarre. Attends, je retire le chapeau parce qu'il finit par me peser sur le crâne. Pourquoi la grille en question est pas ouverte? Pourtant, j'ai pas merdé au niveau des leviers.
Ne me dis pas que c'est le... Ça n'a pas de sens. Je sais même plus à quoi correspond. Il y a un levier là-bas en face. Et je sais plus à quoi il correspond. Merde. Ah bah, ça s'est éteint. Mais ça veut dire quoi? Que c'est une épreuve chronométrée ou... Je comprends plus. Pourquoi les torches se sont éteintes? Oh, le jeu qui rend fou. Alors, vous voyez, dans ce genre de situation, je n'exclus pas le fait de jouer hors antenne pour essayer de me débloquer, pour être sûr de ne pas vous faire trop poireauter à ma prochaine reprise du jeu, parce que... C'est vraiment trop bizarre. Oui, et puis j'ai qu'une direction, j'en ai pas 50. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Là, il faut que je saute avec de l'élan. Et le truc reste verrouillé. Pourquoi? Merde. Oh non, mais là, elle va se tuer, là. Il y a deux étages et demi. Je suis désolé, mais on va s'arrêter là, parce que là... Là, je piche plus, là. Elle ne me propose aucune action. Je vais tenter de faire le pied de biche, mais elle est pas à niveau du truc. Ou alors la trappe du bas, mais à aucun moment elle m'a dit ouais pied de biche. C'est l'Égypte, c'est l'Égypte. On y est, on y restera. Non. L'Égypte, c'est plus fort que toi. Il y a forcément un déclencheur de ça. Mais où est-il? Comment se fût-ce que j'ai pu le louper? C'est la grande question. Elle se fait pas du bien. On va faire un dernier essai. Je vais manipuler mon foutu levier là, mais j'y crois pas. Je vais y aller. Je me dis juste que géographiquement parlant, le levier est assez proche du bâtiment, donc ça pourrait bouger dans le bon sens. Mais c'est quoi? C'est la... Oh, Lara. Eh ben, je suis pas sous ma fameuse trappe, là. Ah non, c'est pas celle-là, parce que j'avais l'impression de voir un truc qui était derrière... Ah, peut-être que je voyais le... Mais non, c'est le mec qui se fait déchirer. C'est le cadavre du mec qui se fait déchirer. D'ailleurs, j'y suis pas allé... Je vais devenir fou 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 fou. Je vais devenir fou 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 fou. Je vais me coltiner l'escalier. On va y aller. Oh yeah. C'est la fête, c'est le merdier. Excusez-moi du peu. Allez, bouge ton boule, la Croft. Allez.
1, 2, 3, 4. Bon. Merde. Je sais qu'elle fait des grands sauts, mais là j'abuse. Teleportation. Bon, là j'ai rien loupé. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Mais. La la la, la fin est proche, c'est ça. Il vient de remonter une épinochette du Poitou. On te la raconte pas. Sacré Twinsen. Alors, ma théorie était-elle valable? Mais je ne pense pas, parce que le levier avait dû... Voilà, ma théorie était pas valable. On va s'arrêter là. On a pas mal joué aujourd'hui à... avec Lara Croft, là. Allez, Zou, je quitte de manière très vilaine. Voyez, j'ai laissé sur le manuel. Voilà, la fameuse touche. Non, je vais pas regarder... non. Je vais de moi-même, je vais chercher. Ah, il y a une Jeep aussi, la Jeep. Ah si, je l'avais faite, la Jeep, au début de l'histoire, c'est vrai. Menu, screen control, starting the game, nanana. Est-ce qu'il y a des choses que je ne saurais pas? Oh là là, il faudrait traduire ça, c'est intéressant. Oh, les Mimi. Quoique, ça lui fait des yeux un peu aliéniques, là. On dirait un peu l'extraterrestre de Roswell. Mais c'est Mimi. Manuel lock-on. Oui, bah je regrette d'avoir mis en manuel parce que c'était un enfer. Monkey swing. Result plus crowbar. Easing flare, pushing auger, looking around. Bla 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 bla, in-game inventory, équipe grande chose à moi, ce moment-là, je médique, save load. Oui, non. Je. Ah, oh, bonjour Chris Golgoth, j'espère que tu vas bien. T'arrives au moment où je vais rendre l'antenne, je reprendrai cet après-midi pour du. Prout-prout, là, pour du. Normalement, je ferai un peu de fire. Je reprendrai à partir de 14h, je vais me cuisiner, enfin m'enfourner une tarte aux poireaux. J'ai envie de me savourer ça. Je ne veux pas de soluce, Twinsen. Ne me divulgue cache pas l'œil. L'œil. Pff, l'œuvre, pardon. Ne te fatigue pas, perds pas ton temps, Twinsen. Je veux trouver par moi-même. Je peux le faire. Bon, allez. Qui c'est qui diffuse en ce moment sur Twitch? Attends, je quick le manuel. Elles sont mes pages, elles sont là mes pages. Oh, oh, Boson, il a personne. On va aller voir Boson 69. En plus, il fait un jeu qui m'intéresse. Il fait un... Comment on appelle ça? Un semblant de Minecraft intergalactique, là. Oh, il faut aller voir Boson. J'ai besoin de m'étirer. Bon, bah merci à vous, à toutes et toutes, d'avoir été là. Moi, je vous dis à tout à l'heure, vers 14h, 14h30. Je suis baba cool, hein, le temps de croquer ma... Ma truc mèche au poireau. Je pense qu'on va faire du fear. Si t'es intéressé, Twinsen, on sera peut-être un golf, si tu veux. On pourra se refaire un golf, ou alors je ferai autre chose, on verra. Je vais peut-être essayer de continuer Sonic aussi, Sonic 1. On va voir. On va se faire 100% plaisir. Comme d'hab. Puis il y aura les bibis avant de filer chez FunFan ce soir. Allez, bibis. Bon, dans l'immédiat, on va aller voir Monsieur Boyon. Monsieur Boyon qui est sur Empyrean. Je vous laisse compléter la rime. Poilot.
Bref, bisous, bon app, à tout à l'heure. Ah, fait du bien de décompresser. J'ai besoin de faire mon foufou. Alors, je vais peut-être mettre le son aussi. Ça va peut-être m'aider à l'entendre, le pauvre boson. Oh, c'est beau! L'écran est magnifique là où il est. Là, 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 là. Hop, il vient de prendre son antenne en plus. Let's rock. Merci les anonymes qui regardaient, hein, bisous plein. Merci pour ton raid, comment va? Ah bah, salut, on te va bien.